Et salut tout le monde, c'est Charlie. Bien, on se retrouve donc sur Alan's Ark. On va continuer de suite sans plus attendre, car ça fait un moment que j'y ai plus touché. Oui, la bibliothèque, on s'était arrêté à la bibliothèque, donc on va reprendre. Ah, ça par contre, c'était pas prévu, c'était pas ici. Parce que vous croyez pas attaquer, là ? Rassurez-vous. Que je m'étais arrêté. Il y a un problème. Ouais. Parce que je vous explique, en fait, j'avais recommencé le jeu, puisque j'avais supprimé le jeu, au moment où j'avais donc décidé d'arrêter. Donc, en supprimant le jeu, forcément, j'ai supprimé aussi la sauvegarde, donc j'ai dû tout refaire. Mais le problème, c'est que je m'étais arrêté à l'endroit de la dernière vidéo. De l'épisode, je ne sais plus combien. Donc là, je trouve ça un peu bizarre. Non. Je suis toujours dans la. Oui, non, on s'en fout. Ok. Je vais... La gueule. Voilà, merci. Attendez. Je vais vérifier un truc. Ah non, c'est peut-être caverne secrète. Oui, voilà, c'est bon. Plus de peur que de mal. Non, parce que j'avais peur de refaire le boss. Vu que donc je l'ai refait le. J'ai refait la partie. Voilà, je me fais encore des nœuds comme d'habitude. Et on voit quand même que je me suis quand même pas mal débrouillé parce qu'il me reste quand même des munitions. Des munitions de pistolet, de fusil à triple canon. Donc c'est pas trop mal. J'ai encore pas regardé l'heure qu'il était. Je veux pas faire des épisodes de 40 minutes encore. Bon, je fais une petite pause et je reviens voir quelle heure il est. Bien, donc me revoilà, c'est bon, j'ai trouvé l'heure. Comme ça, au moins, je fais pas des épisodes de 40 minutes, n'est-ce pas? Parce que la dernière fois, c'était un peu long, frère. Enfin, les derniers épisodes, je trouvais ça quand même un peu long. Alors, ici, est-ce qu'on a placé la longue vue? Je vais vérifier un truc. Oui, je crois qu'il restait plus qu'à activer le tableau. Le tableau. Voilà, merci. Donc, la date qui était sur la cinématique qu'on avait vue en haut, c'était 1692. Ce qui va nous ouvrir un tableau. Celui qui est représenté, où il représentait Jeremy Morton. Et Dunshaw, apparemment. Bien, bien, bien. Donc, on va y aller tout de suite voir ce que contient ce tableau. Autre truc aussi, j'ai enfin une manette. Enfin, j'ai enfin une manette. J'ai trouvé comment faire fonctionner une manette sur ce jeu. Parce que rappelez-vous, si vous avez suivi mes derniers épisodes, je n'arrivais absolument pas à faire fonctionner ce jeu avec une manette. Puisque je rappelle quand même que je joue sur PC. Donc là, ben, je ne sais pas pourquoi. D'un coup. Oh non, casse-toi. Ah ça, il m'a pas touché. Enfin, je crois. Qu'est-ce que je disais? Oui, ma manette. Eh ben en fait, je sais pas. Du coup que j'ai désinstallé, réinstallé tout, eh ben je sais pas. D'un coup, ça a bien voulu fonctionner. Donc c'est-à-dire avec mon adaptateur et ma manette PS2. Donc par chance, j'ai enfin une manette parce que pour moi c'était. C'était ma hantise hein, de jouer sans manette sur ce jeu. J'avoue que pour moi, jouer sans manette à Alone in the Dark, c'était un peu compliqué. Bien, donc là, on va composer. Ils nous ont montré une espèce de plaque avec des bandes noires. Bon, normalement, je pense que c'est un bug, mais voilà, normalement, on voit qu'il y a des chiffres. Une série de 4 chiffres, et bah ces séries de 4 chiffres, en fait, c'est l'année de naissance de ceux qui représentent. Oh, j'arrive, je me fais toujours des nœuds, moi. De ceux qui sont sur les tableaux, voilà. Donc là, je suis pas la lumière, c'est temps. Enfin, c'est logique. Hein. C'est tout à fait logique. Donc là, pour trouver. Donc, oh, je me gourde de touche. Pour trouver donc les années de naissance, on va
récupérer le livre qu'on avait lu dans la bibliothèque. Donc c'est comment c'est déjà? Non. Il est où? Je l'ai pas récupéré ce livre. Normalement, c'est la biographie de la famille Morton, un truc comme ça, normalement. Oh, sans déconner, mais c'est quoi ce bordel? Bon, en plus, il m'en manque. Bah, c'est génial. Il faut que je retourne le chercher, ce putain de livre. Mais normalement, je l'avais pris. C'est pas possible, ça, je vous jure, c'est pas possible. Ça me gonfle un peu. Non, oh putain. Je fais de la merde. C'est formidable. Bien, donc on va récupérer le livre qu'on avait déjà pris, hein, je le rappelle. Voilà. Donc, normalement, cette fois-ci, il devrait y être. Bah, espérons-le. Voilà. Biographie de la famille Morton. Bien. On va essayer un peu d'accélérer le mouvement. Question qu'on avance. Parce que, comme je le disais, j'ai pas envie de faire des épisodes encore de 40 minutes. Ça me gonflerait un peu. Donc, lui. Alors, lui. De toute façon, il faut toujours commencer donc par la gauche. Oui, c'est ça, la gauche. Donc, allez au fond. Je me fais des nœuds, hein, moi en ce moment je me fais des nœuds, c'est pas possible, enfin bon, c'est pas grave. Donc, on va prendre, on va le consulter tout de suite ce livre, on va aller à la dernière page. De toute façon, dans l'épisode précédent, j'ai déjà montré le livre, toutes les pages du livre, donc là on s'en fout un peu, on va aller à la dernière page. Alors voilà, donc là, vu qu'il faut partir de la gauche du tableau. Tableau qui est tout à gauche. Donc attends, c'est pas Jeremy Morton puisque c'est celui qu'on a ouvert tout à l'heure. C'est normalement, oui, voilà, c'est ça. C'est par ordre. Donc c'est 1852, 1874, 1899 et 1931. Donc là, c'est bon, on va faire 52, 74, 99. On va essayer de s'en rappeler. Ah. Excusez-moi pour les bruits. Hein. C'est mon chien qui arrête pas de bouger. Alors, 1800, j'avais dit quoi? Voilà, je m'en rappelle plus. 52. Merci mon chien, c'est très gentil. Ouais, c'est le bon. Voilà. Voilà. Alors, le suivant, donc, c'est 1874. Voilà. Ouais. Donc le prochain c'est 1899, donc celui de Jérémy. Voilà. Merci. Et le dernier donc 1931. Voilà, ça nous ouvre comme par magie une petite horloge, une petite, enfin pendule en l'occurrence, avec une clé à l'intérieur, comme on peut le voir. Et on va tout de suite la récupérer. Voilà. Donc on va pouvoir se tirer d'ici maintenant, puisqu'on n'a plus rien à faire ici pour le moment. On allume la lumière, bon, c'est pas grave. Non, start, voilà. Donc, on va utiliser cette clé qu'on a ramassée, donc la clé de bronze ouvragée, la clé de l'entrée, logique. Et là, on va faire attention, parce que là, là, on va récupérer des trucs là-bas. Ici, je crois qu'il n'y a rien. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est bon, il n'y a rien. On va récupérer donc les objets, trois grandes trousses. Et une cartouche de gaz. Donc là-bas, ça sert à rien d'y aller. C'est fermé. Il y a une porte, mais je crois que c'est condamné ou verrouillé. Je sais plus. Non, c'est condamné, je crois. Parce que de toute façon, elle sert à rien, cette porte.
Alors, ici, on avait ramassé dans l'épisode précédent une clé où on se demandait où c'est qu'elle allait. Ben, elle va tout simplement ici. Voilà. Donc là, on retourne à l'extérieur, hein, là où on était entré. D'accord. Bon, par contre, combien j'ai... Ouais, j'ai pas beaucoup de munes. J'ai pas beaucoup de munitions. On va essayer d'économe. On va essayer de faire l'économe, on va speeder un peu. Ouais, je crois que c'est par là. Parce que là, il faut vraiment tout ressortir. Hein. Donc là, on va essayer de s'échapper. Sans se faire avoir. Non, 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 lâchez-moi la grappe. Non, 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 non. Voilà, c'est bon. Donc là, il y en a d'autres. On va essayer de les esquiver. Esquive, 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 esquive. Ouais, double esquive, c'est bon. Non, 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 non. Dégage. Voilà, merci, t'es gentil. T'es moche, mais t'es gentil. Bien. Alors, ici, il y en a d'autres. Une petite scène. J'adore cette scène particulièrement parce que Edward Carnby va attendre vraiment le dernier moment, hein, quand tous les zombies vont tous arriver, pour décider d'avancer. C'est formidable, vous allez voir. Voilà, on attend bien. Là, je peux pas bouger, je ne peux absolument rien faire. Voilà, donc on attend encore. Hein. C'est pas un souci, c'est pas un problème. Hein. C'est pas comme si on allait se faire bouffer. Voilà, on attend encore un peu et c'est bon. Voilà. Donc là, on va ici. Oh putain, je suis arrivé. Je croyais pas. J'y croyais pas. Oh là là, trop fort. Oh là là. Voilà, ben comme ça, moi, ça me fait économiser des munitions. Ça m'arrange. Donc là, on va passer au prochain disque. Donc, ouais. Pouh, déjà, oh là là, ça passe vite. Hein. Putain, 20 minutes, qu'est-ce que ça passe vite? C'est pas possible. Bon, ben, je crois qu'on va se quitter. On va se quitter pas très loin. Je vais quand même passer au disque 3. Comme ça, au moins, ça sera passé. Non, vous savez quoi? Je crois qu'on va s'arrêter là, en fait. Ouais, non, vous savez quoi? Ouais, voilà. Non, on va ouvrir le portail. On va s'arrêter pile au passage où ils vont nous demander de passer au disque 3. Bien, donc, on va examiner la plaque qu'on a ramassée dans le tableau, là où il y avait le tableau de Jeremy Morton, donc. Ce petit tableau avec des signes, des symboles. Et ces symboles, ce sont ceux du cadenas qu'on avait vu à l'entrée. Je vous avais montré dans le premier épisode. Ah, des cadenas avec une série de codes. Voilà, donc on va le composer. Alors c'était lune comme ça, étoile. Et espèce de soleil là. Voilà. Voilà, je dévoile la porte. Voilà, donc les amis, on se retrouve pour le prochain épisode d'Alan in the Dark. J'espère qu'il vous aura plu. Enfin, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à ciao tout le monde. Et à très bientôt, à plus tout le monde.